Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors là, aujourd'hui je suis dans mon salon. Il est assez tard, enfin tard, non, il est 21h20. Voilà. Et depuis ce matin, je suis en train de vous télécharger une vidéo. Depuis plus de 2 jours, je télécharge une vidéo. Sur YouTube, oui, et regardez-là, il est là. je sais pas, j'ai des problèmes sur YouTube pour télécharger mes vidéos, et là, il reste, elle est à 82%, et ça fait 12 heures qu'elle télécharge. Donc, j'espère que ça va aller. Parce que là, bon, j'ai essayé, c'est la 7e tentative, là, pour la télécharger. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça coupe, ça... Quand ça arrive presque à la fin, donc c'est pour ça, là, je vais croiser les doigts. Quand ça arrive presque à la fin, ben, ça s'arrête. Hop, et la page revient sur la page d'accueil de YouTube. Donc là, aujourd'hui, je ne laissais mon ordi que sur YouTube. Je ne me suis pas du tout servi de mon ordinateur pour ne pas perturber ma vidéo. Donc on va voir. Donc là, bon, elle arrive à la fin. Donc j'espère que ça ira. Donc en attendant, je suis en train de vous en filmer une autre. Parce que là, bon, moi, il y a déjà... donc il y a la vidéo qui est en train de se télécharger. Et il y a 2 autres vidéos. Donc la vidéo qui est en train de se télécharger, c'est mes achats actions avec la carte cadeau que j'ai eu pour mon anniversaire. Et il y a 2 autres vidéos qui doivent être se télécharger également par la suite. C'est la suite du tuto pour le cartonnage. Voilà. Donc, j'espère que ça ira et puis que vous les aurez pas dans une semaine. Et donc, j'essaierai de vous mettre, donc, si vous voyez cette vidéo ici avant, je l'aurais mise avant pour pouvoir vous expliquer ce qui se passe avec mes vidéos en ce moment. Voilà, en espérant que celle-ci aura réussi à se télécharger. Donc voilà, je profite de cette vidéo pour vous montrer, je devais vous les montrer puis j'ai pas encore eu le temps. C'est vrai qu'avec tous mes bricolages que je fais en ce moment pour le marché de Noël, je manque un peu de temps aussi. Vous montrer les fascicules de tricot, hein, tricot et points créatifs que j'avais reçus. Là, j'en ai pas encore reçu de nouveau. Ça devrait pas tarder, je pense. Donc, c'était le numéro 6, le numéro 7 et un hors-série dont je vous en avais parlé. Alors là, c'est tous les carrés que j'ai fait, hein, pour l'instant. Voilà. Là, bon, ils sont pas encore cousus deux par deux. J'ai pas le temps en ce moment. J'espère que après ça va se calmer et que je pourrai les faire. Alors, j'ai eu le numéro 6. Voilà. Alors, avec le numéro 6, on a eu ces 2 laines-là. Alors, j'espère que vous voyez bien, parce que là, dans mon salon, la lumière n'est pas très, très bonne. On a eu Harmony Flint, c'est un gris clair. Donc, c'est celui-là. Et un Shadow Tuff. Donc, c'est un gris un peu plus foncé. Donc, le premier se tricote avec des aiguilles combien ? 4.
Et là, les aiguilles numéro 8. Pourtant, il ne me paraît pas très épaisse, mais bon, c'est du 8. Alors, cette fois-ci, on va devoir faire un damier au point de riz. Voilà, on a celui-ci. Donc, celui-ci va se faire avec... avec quel fil ? Avec le flint. Donc, en 3,5, pardon. C'est du 3,5. Et là, c'est du 5. Voilà, 5. Excusez-moi. Donc, en 3,5. Et en tuf, donc en 5, on va faire un point de mur. Voilà. J'espère que je montre. Voilà, un point comme ça. Point de mur. Alors, les modèles qui nous donnent des manchettes. Des photos forts, donc là c'est au crochet. Hein. Un tour de cou. Et il nous explique pour faire des pompons et les coutures d'assemblage. Voilà. Donc ça c'était le numéro 6. Le numéro 7, alors, on a encore la flint. On a la même couleur, grise. Et on a un pasteau d'unité. Voilà, ça ressemble un peu à l'autre gris aussi. Celle-ci se tricote en 4 et la flint en 3,5. Voilà. Donc, le numéro 7. Ils vont nous faire encore un damier au point de riz. Vous voyez, c'est un peu... toujours un peu la même chose. Et des côtes anglaises. Voilà. Ouais, bon. Alors là, on va avoir un caraco en coton comme modèle. Un rangement pour la laine, pour mettre sur son fauteuil. Un bonnet. Et ensuite, on nous explique les e-cordes. Donc... réalisez une cordelette parfaite pour orner vos créations en tricotant une e-corde. C'est une fine corde ronde, idéale comme ourlet décoratif ou lien. Voilà. Oui, même pour faire des lacets par exemple. Et après, il nous explique les aiguilles. Bon, voilà. Donc ça, c'était le numéro 7. Et le hors-série, donc le voici. Donc le hors-série, c'est pour tricoter ça, la petite écharpe renard. Et là, voilà, on a un paquet de laine. C'est ce que je vous expliquais l'autre jour. Donc on a 4 pelotes en harmonie tangerine et une harmonie moonstone. Et là, on a 2 échevaux de fil noir. Et donc là, les laines se tricotent en 3,5. Et donc voilà, c'est pour tricoter ça.
Donc, je sais pas si je vais faire ça, on verra. C'est moufle et écharpe Renardo. Après, on a un modèle pour faire des caches œufs. Et on a aussi un modèle pour faire une couverture. Alors là, c'est plus de la broderie. Une couverture de carnet, je pense, de carnet de santé, hein. Faire des petits agneaux. Donc là, c'est plus de la broderie. C'est fait au point de nœud. Là, un modèle pour faire des soquettes. Et là, pour faire un petit chiot. Et après, il nous explique comment faire un couvre-livre en tissu. Voilà. Donc ça, c'est le hors-série. Voilà. Donc avec le paquet de laine. Donc voilà. Donc voilà le dernier envoi que j'avais eu. Donc ça faisait un petit moment que j'avais eu, mais je n'avais pas eu le temps de vous montrer. Là, j'attends le prochain envoi, mais bon, là, je suis en retard, vous voyez, hein, j'ai pas encore tricoté mes carrés. Puis j'ai pas tricoté ça encore. Bon, là, je vais voir, hein, ce que je vais faire. Je vais peut-être le tricoter, hein, pour mes petits-enfants, je verrai. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas trop le temps. Donc voilà. Là, en ce moment, c'est vrai que je fais pas mal de choses pour le marché de Noël. Là, aujourd'hui, j'ai fait pas mal de cartes. Hier, j'ai fait des boîtes en cartonnage. Là, après ce week-end, il faudrait que je fasse des décorations pour remettre dans les arbres de Noël. Voilà, j'ai pas mal encore de choses à faire. Et puis là, il faut que je me dépêche. J'ai plus que 3 semaines. Donc, ça va aller très vite. Donc voilà, alors ma vidéo en est où? 83%. Vous voyez, le temps que je vous parle, ça a mis quoi, un quart d'heure pour que je vous parle. Il y a 1% qui est de la vidéo qui s'est téléchargée. Bon, je ne sais pas si elle sera finie avant que j'aille coucher, mais bon, on verra bien, j'espère. Mais bon, on verra. Allez, je vous fais à tous des gros bisous. J'espère que j'arriverai à vous mettre cette vidéo ici rapidement aussi. Ben, du coup, là, je la ferai demain. Donc, ben, si vous la regardez, pas de souci. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures avec Fifi. Regardez qui fait dodo. Coucou. Elle fait un gros dodo. Hein? Fille. Tu veux dire bonjour? Tu veux dire bonjour, ma copine? Non? Tu préfères faire dodo? Oui? Bon. Elle préfère faire dodo. Et là, alors, attendez, je vais essayer d'attraper mon téléphone comme il faut. Et là, alors, je vais essayer de vous montrer mon petit pépère. Et celui qui était malade. Voilà. Là, il fait dodo aussi. Mais là, bon, ça y est, il fait son dodo pour la nuit. Là, je l'ai mis à côté de moi, comme ça, je suis tranquille. Et là, bon, il va un peu mieux, à part son arthrose. Mais ça, on n'y peut rien. Hein. C'est pas nous. Mais là, on est content. Je l'ai pesé tout à l'heure. Il a déjà repris 200 grammes. Donc, il reprend un peu de poil de la bête. Voilà. Et mon petit rouquin, il est là-bas aussi. Il dort. Mon petit rouquin, c'est mon Yorkshire. C'est Jerry. Il dort aussi. Voilà.
Tout le monde dort. Chut. Et mon chouchou aussi. Mon mari est parti dormir aussi. Allez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye. À très bientôt. Bisous, bisous.